retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo routine après l'école. Donc là il est 4h45, je viens juste de revenir de l'école, j'ai pris mon goûter dans la voiture. Donc là je vais me changer, c'est parti, transformation. Et voilà, transformation, Zoé écolière à Zoé cavalière. Le soir, en général, quand j'arrive aux écuries, ma maman m'a très gentiment préparé mon poney pour que je puisse le monter et pour qu'on aille plus vite. Donc là, on est mardi soir. Le mardi soir, en général, je monte deux chevaux parce que pour le mercredi, j'ai pas énormément de leçons. Mon premier cours demain, c'est pastoral. Pour ça, j'ai pas de devoirs. Après, j'ai anglais, donc ça me prend pas beaucoup de temps de le faire. J'ai juste une petite évaluation de carte qu'il faut que je révise, mais j'ai déjà révisé hier soir un peu. Donc du coup, là, je vais monter deux chevaux. Édition et filet, ce week-end ils sont en concours. Donc du coup pour eux aujourd'hui ce sera une petite séance de place. C'est ma maman qui va monter édition et moi je vais monter filet. Et après Guetta et Desireless, elles reviennent de concours. Hier elles ont un jour de repos. Donc aujourd'hui on va rattaquer le travail avec une petite promenade en extérieur. Ma maman va monter Guetta et moi je vais monter Desireless. Et je vais tout de suite appeler papy, je lui demande si... Aujourd'hui, on va partir sur une petite séance de plat avec filet. Et comme vous pouvez le voir, il y a du public. Parce que en ce moment, comme les panneaux de derrière, il y a trop de boue. Du coup, les poneys sont à côté de la carrière. Du coup, il y a tout le monde qui nous regarde. Donc, on va rien faire de très compliqué. Ça va vraiment être une petite séance où je vais faire des variations d'allure, des transitions, des cercles, des diagonales. Enfin, des choses assez simples, entre guillemets. Tout simplement parce que mes poneys sont montés quand même toute la semaine. Donc, du coup, c'est bien pour eux que une ou deux fois par semaine, voire trois fois parfois, ils aient une séance vraiment entre guillemets cool où ils font juste une petite séance de plat et rien de plus pour pas trop les fatiguer pendant la semaine. Comme je le disais tout à l'heure, ma maman monte édition, mais elle monte pas édition tous les soirs parce qu'il y a des soirs où c'est moi qui le monte. Du coup on fait un roulement, donc il y a des fois maman elle monte par exemple Desireless et filet et moi je monte édition et Guetta. Enfin on tourne un peu sur les poneys, en général elle en monte deux et j'en monte deux. Donc là je vais commencer le travail au galop et puis pareil, je vais essentiellement faire des cercles, des diagonales, des transitions, des variations d'allure. Enfin comme je l'avais dit tout à l'heure, je vais pas faire une séance très compliquée avec elle, je vais repartir sur les choses basiques. Et voilà, cette petite séance est terminée, donc elle a très bien travaillé, je vais la rentrer, je vais la récompenser et surtout je vais la recouvrir parce qu'il fait quand même assez froid.
Mais il fait quand même froid et humide, du coup je vais me dépêcher de la déceler et lui mettre une couverture sur le dos. Donc là du coup, comme d'habitude, je la récompense après son travail avec les bonbons sucre d'orge. Là du coup, en ce moment, avec l'humidité et la boue qu'il y a partout, bah, on essaie de toucher les pas, les membres et les chevaux le moins possible. Donc du coup là, je vais lui passer un petit coup de brosse là où il y a eu la selle, l'encolure, etc. Et après, je vais attendre que les pattes sèchent pour venir lui brosser les membres plus tard. Donc là, je vais la rentrer aux box. Les box sont faits de midi, comme ça les chevaux ils rentrent dans des box propres. Et puis là, ils vont manger le foin avant qu'on leur donne à manger. La tonte, c'est vraiment un gain de temps pour nous l'hiver parce que ben, on arrive, on rentre les chevaux, on enlève la couverture, du coup on a tout l'espace de la couverture qui est propre. Et en plus, ben, la boue sèche s'enlève hyper facilement quand les chevaux sont fondus. Du coup, ça nous prend 2 secondes, on enlève la boue, on vérifie les passages de sang, on broche la tête et puis après on n'a plus qu'à serrer. Bon, donc là on essaie de vous la faire en mode caméra embarquée, mais déjà c'est un peu compliqué et en plus il a pas mal plu ces derniers temps, donc du coup les poneys ils zigzaguent un peu pour pas mettre les pieds dans les flaques d'eau, mais bon c'est quand même sympa d'aller à l'extérieur. Donc moi tous mes poneys ils adorent l'extérieur, j'essaie de les emmener assez régulièrement et tout, on voit quand même qu'ils y vont de l'avant avec les oreilles en avant, ils aiment vraiment ça. Évidemment, moi ce que je préfère en allant en extérieur, bah, c'est de galoper dans les champs, dans les grands espaces. Mais là, en ce moment, la météo ne le permet vraiment pas, c'est trop profond. Donc du coup, bah, j'attends patiemment le printemps et j'ai vraiment hâte d'y être. Ça aussi, elle a des oreilles en avant. Tout à l'heure, Geta et Desalas ont participé à une compétition ce week-end. Donc Geta, c'est sa première compétition. Elle a fait une 80 cm avec ma maman. Elle a fait un joli tour sans faute, ça s'est super bien passé. Et Desalas, bah, elle a fait la poney, hein, donc 90 cm. Elle l'a gagné, du coup elle a très bien fait. Et ensuite, elle a fait sa toute première poney élite, donc 1 mètre. Et bah, ça s'est très bien passé, elle a fait une petite faute. Mais c'est le métier qui rentre, je trouve que c'est déjà très bien pour sa première PL. La raison pour laquelle je décèle les deux chevaux, c'est parce que le soir, là il est déjà 18h30 à peu près. Donc du coup le soir quand je descends de mon deuxième lot de chevaux, bah, on est obligé de se répartir les tâches avec ma maman. Donc du coup elle va rentrer les juments, enfin Ouchi et Ify sur la plateforme, leur donner du foin pendant que moi je décèle les juments, ou enfin peu importe qui c'est que je monte, et je vais aller les mettre au box. Yeah. There's not a part of me.
I was lost without any direction. Had a line so many times, but I needed attention. No matter what I say, no matter my regrets, things still been said and done. There's not a part of me that wants to say no. Donc là du coup, ça y est, tout le monde a travaillé. Là, les chevaux qui sont au box, ils sont en train de manger leur foin. On a aussi remonté les juments sur la plateforme. Du coup, elles sont en train de manger leur foin avec Divix qui est avec elle, bien sûr, dans son petit box. Donc du coup, voilà, je vais aller faire mes sons. Et après, on se retrouve ici dans une heure pour donner à manger aux poneys. Donc là du coup, c'est parti, on va nourrir les poneys. Je vais commencer par le poney. Ensuite, ici on a le granulé d'édition. Et maintenant on passe au granulé des filles. L'avoine d'édition. Enfin, les compléments alimentaires. Que les membres sèchent pour passer un petit coup parce que c'est plus simple d'enlever tout le sable. Donc là du coup c'est parti, je prends la brosse magique et je passe un coup sur les membres. Donc bah les juments, elles ont pas de tête puisqu'elles sont allées en extérieur. Du coup, je vais juste enlever la fin à la terre, mais normalement, ça devrait aller plus vite. Brosser les membres des chevaux, bah déjà c'est important parce que c'est plus confortable pour eux. Ça évite tous les petits problèmes de gale de boue, de lésions, etc. Mais aussi, bah c'est important puisque quand on passe le petit coup de brosse magique le soir, sur les membres des chevaux, bah on vérifie qu'il n'y ait pas de points chauds, qu'il n'y ait pas de petites blessures ou rien du tout.
du coup, normalement, le soir, je reviens après le dîner pour ramasser les gamelles et fermer les volets des chevaux. Bon, alors, elle a déterminé de manger, du coup, je vais lui enlever ses gamelles maintenant et puis je reviendrai après pour enlever les gamelles des trois autres. Donc, la dernière mission de la journée, après, je vais pouvoir aller me coucher. Ça va être de enlever les gamelles des box des chevaux et puis fermer les volets pour la nuit. Donc là, je crois que Phila adore. Fiché. Phila, c'est assez souvent, elle est tout le temps couchée quand j'arrive le soir pour prendre ses gamelles. Trop mignon. Laisse-moi tranquille. Cette petite routine vous aura plu et puis nous on se retrouve très dans une prochaine vidéo et moi je vous fais tous de gros gros bisous. Allez, il fait tout pourri. Quand c'est le trompe d'interrupteur. Allez, on recommence.